En tant que multivision, il Rien n'a rien du du tout, tout. rien du tout. C'est pour, Mais peut-être qu'il y c'est aura peut-être pour Creator des Series, peut-être projets. sur un canal plus. Ouais, ça va dépendre de Bah, beaucoup de la choses. Creator Series, lors de la Sim Expo, ils ont eu un stand comme un... où c'est qu'ils ont parlé, etc. Il y avait Ouais. plusieurs créateurs, non? Ouais, bah Ouais, les quatre pro. j'avais Bah, vu il y avait ça. qui? Attends, Vince, je prends quoi là? Tombe, Ben, Tombe, Tendre? ouais. Tendre Moi, ou je dirais équilibré? non, Équilibré. équilibré, ouais. Pour avoir deux trains de mid. Ouais, je ferai la Q1 en médium au pire. Ils vont durer un peu plus longtemps, quoi. Alors, épicé, putain. Ah, c'est terrible. J'essayerai de placer ma Q en médium, on verra. Moi, je pense que Ah, ça je va ne sais être bien. pas du tout quoi prendre comme setup. Sa mère. Parce que j'ai un 32-24 qui est pas mal aussi, mais il est pas tôt quoi. Il tourne pas des mains dans le secteur 2 quoi. Moi, c'est surtout les réaxels qui me font peur. Bah, je préfère avoir du sous-virage que du survirage, hein. Sur le Mexique en tout cas. Ouais, moi aussi. Mais c'est pour ça, en qualif, je pense que je vais garder le même réglage aéro et en course, je vais peut-être faire moins 1 sur l'avant. Pour Moins un. pas. Ok. Bah, ouais, pour l'équilibrage, pour éviter de survirer, quoi. Ouais, Ouais, je je vais vois, je vois. regarder Tom s'il montre quel setup Il il va faire rentrer, il utilise. va mettre SRC devant. Il va mettre le panneau SRC devant. C'est sûr. C'est comme ce que je fais. Oh, t'es pas le seul, hein. J'avais regardé Meraki, je crois aussi, il faisait ça. Ouais, Bah, tous ceux qui sont sponsors, hein, de toute façon, ils le font. Hein. ouais il l'a Alors, pour le coup, fait. c'est absolument pas un stop SRC, mais pour le coup, bah, je veux le cacher, quoi. Oui, bon, ça sert d'excuse. Rappelle-toi que le transfert de masse Et est du coup, il l'appui en permanence utilise. du pont de Attends, je vais glace. te dire. Lorsque tu freines, le centre de masse se déplace vers l'avant. L'avant-dernier. Lorsque tu accélères, il se Je déplace vois vers pas, mais l'arrière. il avait Et un lorsque tu nom. tournes, il est poussé vers l'extérieur de l'auto. Plus de poids sur chaque pneu signifie une meilleure adhérence. En Adopte fait, une le problème routine avec mon souple réglage pour éviter que le transfert de masse ne devienne trop clean, violent. c'est qu'en traction, j'ai un gros souci de traction, quoi. Même à ses amis, ils n'aiment pas le setup. Si. Si, si. Celui-là, je peux le donner. Tac, start sur lap, nanana. Tu penses venir devant une pratique? Attends, mais je crois que je t'ai trompé de Beaucoup de chat, voitures Xib. sur la piste. On peut peut-être y aller avant qu'elle ne Mais soit oui. encombrée. Normalement, on finira devant une pratique. S'il fout pas une Mercedes dehors, oui, ça devrait se Vraiment, passer. Il a le SRC New LH, donc Low Wings pour moi. Ouais. Donc je pense qu'il a 32-24 parce qu'il a le Low Wings setup. Et tu sais que sur SRC, le Lowing Setup, il est. Je vais dire ça, hein, je leak. Je leak. Oui, c'est celui que j'ai. Hein. Le Mexico Lowings, c'est un 34. Ouais, ça, c'est celui que t'as. C'est celui que t'as. 34-26. Et moi, j'ai Ouais, fait il a plus de. SRC LH. C'était le nom de son setup. Mexico SRC LH. Donc pour moi. Ouais, donc Low c'est Hard. celui-là. Donc j'ai plus 2 par rapport à lui, quoi. Bah, plus 2, c'est pas si mal. Merci Lucas Talizer pour le Prime et le 5e mois. Merci beaucoup. J'ai pas le son des alertes, donc je suis désolé si des fois j'en zappe. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à le remettre. Ah putain! Bon bah. Freinage terminé, que les mécaniciens s'écartent, on est prêt à partir. De toute façon, il vaut mieux que tu sois à l'aise, que tu galères avec un setup qui est pas d'aileron et que ça te fasse chier pendant toute la course. Et que tu regrettes. Ouais, c'est vrai. Deux, trois crans, ça change pas énormément. Tu seras peut-être plus stable et bon, tu vas peut-être perdre un dixième sur la ligne droite, mais tu peux en gagner 2-3 et éviter des pénalités que tu aurais pu te prendre en étant déséquilibré par le setup. Ouais, Ouais, je vais faudra jouer partir la là-dessus peinard. aussi. Hein. Bon, c'est sûr que je vais en prendre. Hein. Je vous le dis haut et fort, ça va prendre de la peine aujourd'hui. Hein. Ah ouais? Ça fuit plus trop. Ah bah, c'est sûr. J'ai fait que les tests de 5 tours. Et je prenais déjà un avertissement à chaque fois. Donc, Ah oui. Hello Yolit. Bonne nuit, Yolit. Le tryhard du tour en inter, hein. Vraiment, je crame mon essence. Non, bah, vu que maintenant il y a un point, c'est important. Hein. Ah bah oui. Je le tente, hein, si jamais. T'as raison. Hein. T'as raison, t'as raison. Allez, let's go. Si je peux gagner même 50 millièmes sur juste avec l'essence, je prends.
Bah dis-toi qu'au Japon, celui qui a fait la pole dans notre split, il a commencé son tour avec 1,15. Hein. Ah ouais, ça crame bien. Ouais, et en gros, il était en panne, genre vraiment 50 mètres après la ligne, tu vois. Mais parce que c'était son dernier tour. Oui, aussi. Qu'est-ce qui me fait peur, ce circuit, putain? Oui, il est dangereux. Ah même vraiment, hein. Bataille, je crois que je l'ai jamais fini. Hein. Il y a bien une mission d'aujourd'hui. J'ai plus de DNF aussi, hein. En fait, les vibrants, ils sont trop particuliers. Genre, il te désoriente direct, quoi. Genre, il change tout. C'est quand il y a l'air d'être plat, mais... 29-3, le premier secteur avec les inter tombe. Bon, ouais, il va avoir du mal à tourner, par contre, hein. Oui, bah, je pense en qualif, il sera plus lent, mais il a l'habitude. Oui, c'est vrai. Bon, le secteur 3, je le déteste. Hein. Vraiment, leur accélération dernier virage, elle est honteuse. Merci, Greg. Ah ouais, une seconde dans la gueule quand même. Il nous reste moins 20 tours de carburant, le réservoir est vide. Vraiment aujourd'hui c'est damage limitation, hein. C'est tout. Hein. J'ai tout perdu ici en fait. C'est dernier secteur, t'as perdu 7 dixièmes. Ah ouais, non, j'ai loupé mon freinage. C'est qui le premier du coup, c'est Tom? GB. Tom, il a annulé. Il est en combien? 20,6. Ah, je prends une demi-seconde, ça perd. Comment ça se fait que depuis 2015, ils ont pas touché au Mexique, quoi? Codemaster! Ah non. Ils ont essayé de toucher à l'Espagne, ils ont vite annulé. Ah, c'est ici, du coup, la ligne. On note. On note, c'était là, la ligne, du coup, des stands. Oui, elle peut... Elle peut arriver plus vite que prévu. Ouais. Elle était pas plus loin avant? Oh, je sais pas, hein. Peut-être qu'il y a eu blocus, hein. Je sais rien. Ça m'a surpris. Faut pas freiner, trop fort dans la pit lane. Hein. Ça peut vraiment partir en tête à queue, hein, en entrée de pit lane. En course de ligue, c'est arrivé que quelqu'un prenne le mur. Ah ouais, bah Louis. Ouais. Bizarre, il était sur le chat il y a pas longtemps. Allez, hop. Oh, hein. Ouais. Hein. 5 et 7 en intermédiaire. Sombre qui va sortir en Q3, en Q1, volontairement, pour avoir tous ses trains de pneus soft 9 et faire une remontée. Bonne strat, hein, avec les safety cars. On l'embrasse. C'est ce que j'ai voulu faire hier au Brésil, mais ils ont restart. Ah, sympa ça. Une victoire de Scazzi sur circuit. Ah non, je pense pas, hein, la victoire aujourd'hui. Non, Scazzi gagnera au Brésil. 4. Brésil, la semaine prochaine, par contre, oui. Mais là, c'est le dernier circuit où c'est juste, on limite la casse. Putain, 4 dixièmes. Dans le secteur 2. Ah d'accord, très bien. L'alerte orange, pluie et inondation et je travaille dehors ce soir, let's go. Oh non putain. Force Louis. Ouais, force. P5 au minimum. Ouais, top 5 c'est pas mal.
Il y a vraiment beaucoup de gens qui ont tryhard cette semaine sur ça. On prend pas le concept de tryhard d'un circuit de merde. Why not, hein? Ah, celui-là, si t'es chaud, t'es chaud, hein, par contre. Ouais, bah oui, il y a une telle diff. Ouais. Je mise sur combien de safety cars pendant la course? 4. 4, et si elle pouvait être bien avantageuse pour moi, au moins une, ça m'arrangerait. Ça va être un cauchemar, les safety, ça va rendre fou. Ouais. C'est pour ça que là, le train de médium que j'utilise en Q1 va pas trop me déranger. Parce que je me dis, au pire, il sera utilisé, tu sais, pendant une safety car. Et il y en aura une autre après, quoi. Je vais partir en soft, moi. Ça, si on cut, bon, on peut refaire derrière. Si il n'avait plus au Mexique, j'aurais dit 6, ouais, 6 safety car. Mais là, vu que c'est sec, ça va aller. T'en penses quoi de l'aspiration, Pierre-Jean? Bah, pour moi, ouais, je trouverais ça pas mal. Hein. Ouais. Aspiration secteur 2, alors. Allez, je lance mon tour. Ah bah attends, je peux passer à Aspi. Oh, elle est belle. Mal, bien joué. Oh là là, merci pour cet aspi. Ça me permet de passer en Q2 avec les médiums. En vrai, si tu ralentis, tu peux lui donner la même. Ouais, mais c'est un peu juste. Là, il a même pas lancé son tour. Là. J'arrive. Voilà, deuxième. Yes, Ragoon. Ouais, je vais essayer de te faire la même. De toute façon, tu connais mon niveau sur les aspis. Un petit coup de moi-même. De RS. Reste à gauche. Merci. Ouh, pas peu fier. Hein, hein? C'est un bug. C'est un bug d'affichage, non? Parce que je vois Thombe devant moi en inter. Oui, en fait, il est dans les pits, il a sélectionné les inter, je crois. Ah, et il, okay. Il était en soft. Oh, mais au moins ça. Ça économise un train de pneu, quoi. Que je ferais pas même le tour de Q2 encore en médium. Bon. Ah ouais. À un moment, on va regarder les temps, mais. Non, mais histoire d'avoir un premier tour tranquille et le deuxième après comme ça t'as 9 et comme ça tu gardes pas mal de trains, quoi. Ok, tu peux rentrer dans ce tour. En mode Skazi a besoin de l'aspi. Apparemment. Le mec me met 6 dixièmes dans la gueule mais a besoin de l'aspi. Ah, je suis à 8 dixièmes de Razin, non? Mais Razin, qu'est-ce qui lui arrive en ce moment là? Il a activé un cheat, Razin? Il est passé sur PC. Ah ouais? C'était ça le truc? Ah ouais, sur Xbox. Hein. Mais je sais pas.
Il joue à la manette en plus. Ouais. Ouais, bon, il y a quand même 5 dixièmes de diff entre les softs et les médiums. Mais on tentera la Q2 en genre un tour. Pas sûr Mais du non, coup je ça suis pas passe, bien. mais. Oh, je suis content de mon tour en médium. J'ai été bien focus. En combien? C'est pour les caméras, ça a impressionné le stream, je suis sûr. Bah, je suis à peine un dixième et demi derrière toi. Ah donc c'est ouais. Donc c'est moi qui fais un tour de ce gig. Oui, possible. Oui. Parce que normalement, tu mets 4 dixièmes en CLM à tombe. Donc, Oui, parce que Pirja, il salut Sneakers. te... En fait, tu gagnes du temps que pré-secteur. Pirja en médium, il est plus rapide que toi, S2, S3. Donc, c'est qu'il y a un T'es petit plus léger, différent non? là-dessus. Ah, je suis en 19, presque 7, secteur 3. T'es plus léger ou pas? Non, je suis en 35-29. Ah, t'es comme moi en fait. Ouais, ça peut pas pareil. Ah, j'ai fait... Alors, tu mets plus de 2 dixièmes sur le secteur 1. Alors que j'ai eu l'aspi. Oui, et l'aspect que t'as donné. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle a mon aspi? Oui, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a, Crime? Elle a pas forcément trop servi, mais c'est pas Bon, grave. je pense qu'il y avait mieux, mais c'est toujours ça de pris. Après, si, peut-être si on la faisait sur la grande ligne droite, ce serait plus efficace aussi. Oui, forcément. Forcément. Genre, je pense sur la petite ligne droite, on se fait une belle aspi, on gagne 3 dixièmes, 4 dixièmes. Hein. Oui. À tout moment, on peut te donner la pole. Ça, Soit c'est sûr. on te donne la pole, Skyzy, soit moi, on me remonte plus haut. Tu préfères quoi? Encore 2 minutes. Les deux. Je prétends qu'on soit tous les deux haut. Mais là, t'as Vince? Vince en 16-1 aussi, 1 millième devant Radin. Putain, la vache, jamais j'ai ce chrono. Hein. 16... Moi, c'est une 16, c'est mon record en CLM. Bon, je vais Renero, repasser en salut plus gros qui Astro. arrive, mais... ouais, let's go, je vais faire le petit pissou de la qualif, j'arrive. Pareil, j'arrive, alors que je viens de le faire. Encore? Bon, comment ça va tout le monde? Je suis sûr de chat là. Est-ce que vous êtes confiant dans le chat de Skyzy et Pirja? Mettez à peu près votre prédiction. En quelle position termine votre streamer? Et puis après, je viendrai voir si vous êtes correct. En qualif et en course, si vous avez les deux. DNF, sympa. Alors, je vais regarder qu'est-ce que ça dit sur le chat de Pirja. P6. Hein. Ok, et sur le chat de Sky. Calife 2, course 4. P18, ok. P7, P8 de la honte. Intéressant. Bon, ça va en vrai. Hop là! Un bon P4. Non mais les gars, c'est la Q1. Ouais, mais je leur ai Hein. demandé, pendant que vous Ah! étiez pas là, quelle était leur prédiction pour la course ou la qualif. Donc ils ont à peu près mis dans le chat ce qu'ils pensaient. Ah ouais, ils sont sympas quand Donc je même. juge. Moi j'ai vu un 18-19. Hein. Ah What ouais? Merde. the fuck? Ouais. DNF pour track limit. Alors, c'est pas possible. J'espère que c'est pas possible. À la limite, ça aurait été DSQ. Attends, mais ça passe là. Attends, je suis 7 et 8, mais moi ça Je crois passe. que Tom se fait un défi du coup comme il est réserviste. Oh, 7 et 8, oh la Bah... vache, là on pue sa mère. Hein. Attends mais C'est pour ça Tiamet il est dans son tour là. Ah oui. Attendez, il y a tentez Tiamet pas qui les finit son médiums en tour. Q2. Hein. Et Tom il le tente en hard. Bah Tom j'ai l'impression que comme c'est un mec rapide il se fait plaisir quand même. Hein. Il tente des trucs. S'il est plus rapide que nous avec des hards, j'ai bon, j'éteins. Bah, regarde le Qatar. Qatar était pas plus rapide. Si, si. Non, pas la régulière. Le Qatar, on avait des médiums musés contre ces hard 9, il m'a baisé la Oui, gueule. mais là c'était soft 9 contre hard 9, c'est pas censé arriver. Et il a plus de batterie en plus. Non, mais j'ai économisé un train de pneus, je suis content. Par contre, en Q2, vu les temps, tente pas le med. Hein. Oui, non, j'ai vu que les softs mettaient 5 dixièmes. Non, en Q2, je vais plus tenter, genre, tu sais, vers les 8 minutes de claquer un bon chrono
et de voir si je peux oui, passer juste une comme ça. Tentative. Ouais, mais j'hésite à la faire en... avec le même train de pneus la deuxième tentative. Tout dépend de ton temps et à partir de 6% ça drop vraiment, je sais pas combien ont tes soft Skyzy. Ah bah non, 5%. Tu... Ah, ils ont 3. Ouais, ça peut être possible, ouais. En fait, là, moi, les médiums, c'est vraiment juste pour faire un petit temps référence, tu vois, pour le delta. Économiser pour crash au 30e tour. Toi, on va t'attraper. Déjà, c'est pas au 30e, moi, c'est au 71e, dernier virage. Bon, ça va, on était large, hein. Vu le classement, on est large. 18-2, le pire chrono. On était large. Franchement, sur des softs, j'aurais pu faire un vrai chrono. Ah, je me déprime un peu si je fais une performance comme ça après, putain. On va dire que c'est parce que c'est le Mexique, on sera meilleur au Brésil. Skizido Brésil, on l'appelle. Est-ce que je tente Skizinho, hein. Est-ce que je tente le un tour d'un coup? Genre, je lance à la dernière minute un seul tour. Non, c'est trop risqué, surtout au Mexique. Ah ouais, mais est-ce que j'ai pas envie? Regarde qui se glisse là avec des médiums là. Qui est le seul en médium à passer? Ah, il y a Tom en hard quand même. Hein. Oui, voilà, j'allais dire. Mais sinon... Ah ouais, c'est vrai. Sinon, belle perf, enfin, on... I'm shining, guys. Belle bite. La télé. De toute façon, les gars, faut pas... Que vu que je vais rater une course, faut absolument que je sois en avant sur tout le monde. De toute façon, faut pas la pole, les gars, ici. Ouais, c'est vrai. Voilà, P3, P4, c'est un peu lourd, hein. Moi, souvent, je suis P5, donc je peux vite casser les couilles. Il peut vite y avoir un drame au premier virage. Hein. Le premier qui freine, sa mère, c'est une up. Voilà. C'est sûr. Tu sais, genre, pile poil, juste un tout petit peu plus d'aéro pour faire un, pour être bien élancé sur le départ. Attention. Après, tu prends la speed, tu martèles ta batterie. Ah, par contre, je martèle ma batterie au départ, moi. Je perds 40% sur le départ, j'ai fait le test. Attention, ça se recharge moi, que 10% max, mais et attention, que là, attention, ça se recharge que de 3%, voilà, je vous le dis. Par tour, c'est 3% ici. Alors, après, si t'as le DRS, ça sera plus. Ouais, oui. Si t'as le DRS, au pire, tu le gardes, quoi. Oui. Ouais, je suis à 4%, je perds un dixième. Est-ce que je ferais pas un petit... J'ai 3% sur les médiums, est-ce que je ferais pas un petit tour référence? Ça sert à rien. Ah ouais, c'est vrai. Tu vas avoir plus d'usure pour les médiums. À la limite, tu fais un tour en intermédiaire pour choper le point, mais... Putain, c'est pas con, on peut encore le faire, ça, c'est vrai. Allez, go. Il l'a chauffé. C'est plus logique que le train en médium. C'est vrai. C'est juste, ça me perturbe de pas avoir de delta, des fois. Je sais pas si toi aussi. Ah, je préfère quand j'en ai pas. Ah ouais? Ah, moi, j'aime pas savoir. Je regarde trop le delta, moi, après. Ah, c'est qui tout debout. Ouais. Genre quand je suis dans le rouge, je donne tout, après je passe dans le vert, mais quand je suis dans le vert, après, je panique. Tu veux sécure et tu paniques, voilà. Entre attaquer et... Exactement. Il est en soft devant, Aiden. Je pense que tout le monde sera en soft, hormis toi. Ah ouais, hein. Il est en soft. Ouais, mais peut-être qu'avec la meilleure piste, je chope le meilleur temps en inter. Et... Ah bah, sûrement, ouais. Bah, si ça se trouve, tu seras même le seul en inter, ou alors il y aura Tom. Mais c'est vrai qu'au Brésil, on aura une sprint. Hein. Ah, il y aura l'intermédiaire américain. Ok, donc j'ai un adversaire là, c'est miracle. Oui. C'était quoi le meilleur temps en inter? Je sais plus, j'allais le dire, mais je sais plus. Ça doit être 19. C'était pas 20.6. 20.6. Ah, ok, ouais. Copy. Parce que t'avais fait 21.8 et il était une seconde de devant. Dis-nous quand tu voudras passer au slick. L'état de la piste risque de s'améliorer bientôt.
Je les laisse refroidir un peu. Tout ça pour ça. Gros tour. Oh, l'élan de merde. Il s'est crash, Dirk. J'ai pas vu, je vais te dire. Est-ce qu'il a abandonné? Ça passera pas. Dirk, non, il a juste live la session. Il est en VR d'ailleurs. Je suis encore plus lent qu'avant. Ah, Tom, il tente de faire toute la qualif en hard. Il a carrément mis les pneus wet, Meraki. En fait, il est même pas en inter. Mais c'est parce qu'il a donné l'aspi à Tom. Donc il voulait pas... Ouais, mais il est même... Il est même pas en wet, quoi, il est en inter. Enfin, il est en wet. Il est en wet, pas en inter. Ouais. Il s'est dit dans le doute. S'il pleut. Salut Neymar. Très très bien. Combien? Bah, je fais 16-6, mais pas ouf quoi. Du coup, là, t'as le meilleur temps en inter, non? Non. Meraki a mis les watts, non? Je suis en une 22-6. Je suis encore plus lent que le temps d'avant. Ah, j'avoue. Ah, c'est le meilleur tour. Toute la qualif confondue. C'est pas meilleur tour par séance. Genre, si t'as... Ah oui, non, non. Ah, non. Sinon, tout le monde aurait une distribution de points. Ce serait horrible. Ah oui, ouais. Bon, bah, j'ai rien dit. Ok, it's time to shine. On va foutre les softs et on va essayer de valider un bon tour direct pour pas avoir à utiliser d'autres softs. Meraki prend son soft usé pour info qui est à 4%. Il est en 38-30, Meraki, d'aéro. Mmh, ok, il est lourd. On est mieux que lui, ouais. Voilà, j'essaye de choper, on part par là. Là bah c'est mon set s'il passe, hein. Pas du tout si ça passe, moi. T'es sorti? Non. Mais je pense que je vais sortir avec un train 9 parce que le C6, pas sûr que ça passe. T'as utilisé le train usé de cul? Ouais, ouais. Allez, voilà. Allez, bon, je sors avec mes 9, moi, on va voir. Il reste combien de temps? Il reste 8 minutes. Attends que Meraki finisse son tour. Oh! GBR Retire, je pense qu'il a juste pensé que c'était suffisamment confortable. Mais en plus, là, je passe inaperçu. Regarde, je suis devant Aiden et Meraki avec des softs. Ça se trouve, il y a des mecs qui vont penser que, que c'est bon. Ouais, GB, il a abandonné. Il s'est dit qu'il avait assez d'avance en CS4. Bah, je pense qu'il a assez d'avance en CS4. Mmh.
Ah ouais, 16-4, c'est assez? Ah oui, pour le Q3, ouais. Ok, bon j'espère que je vais réussir un bon tour direct. T'es en quoi là? Soft 9. Non, il a pas encore assez de soft. Moi, je prends le temps de bien chauffer les pneus, les freins, tout ça. Pourquoi tout le monde quitte Sur le PV de Meraki et tout, j'avais que 2-3 personnes qui ont quitté, c'est tout. Oui, mais. Ouais, si on a, si on a loupé un truc. Et voilà. Et je sors en 9. J'ai passé. Jessica et Daniel, les commentateurs, ils montent pas la qualif. Ils montent pas la qualif? Non. Ah ouais? Là, ils sont en cam, ils chillent en discutant. Bah, c'est bizarre du coup. Ah, ils relancent son jeu, ils ont crash. Ah, ok. Good luck. Ouais, je vais me mute. Casey est juste devant, peut-être que t'auras l'aspi. Allez, je me suis mute, let's go. Ah, je me suis un peu foiré. Pas fameux. La speed, deuxième ligne droite. Ouais. C'est tendu, quoi. Dans tous les cas, t'auras le temps de lancer. Ah, mais Savzo, qu'est-ce que tu fous? Oh, je me suis merdé. Non, je me suis merdé. T'as nul? Ouais. Je sais pas si... Ouais, je vais devoir relancer, moi. Ouais, je pense. Quitte à relancer avec, des avec les mêmes. Bah, soit tu tentes les 9 et tu fais ton premier tour de Q3 avec un des pneus usés, soit tu fais l'inverse, mais... Tout dépend si t'es confiant. Attends, si là, je retente avec des 9 en Q3 que je refais des usés, j'aurais quoi? J'aurais deux trains de pneus neufs pour la course? Ouais, normalement. Tu utiliseras, en fait, un train de pneus usés plus ton pneu de Q3 qui partira dans tous les cas. Donc t'auras utilisé qu'un train de soft concrètement. Enfin deux, mais celui de Q3 dans tous les cas il peut pas être utilisé. Donc j'aurai 2-9 pendant la course. Oui. Je sais pas si je peux améliorer avec des usés au pire. Meraki avec des pneus à 6% il a fait 16.2, mais après... Y a pas grosse diff quoi. Tu penses que t'as du temps à aller chercher? Je vais regarder la diff du Delta. Normalement, t'auras à peine un dixième. Mais ah oui, j'ai foiré le secteur 1, donc je peux aller chercher deux dixièmes, trois dixièmes. Salut Bastien, salut Killer. Et ça s'est passé comment, Killer? Ok, du coup, tac, c'est quoi la diff? C'est 80 millièmes. Bon, je vais relancer avec les usés. Hein. Quitte à faire. Attention à tout le personnel. Merci le vrai conique pour le prime, merci beaucoup. Malheureusement, j'ai pas le son, toujours pas.
Non, no way, j'avoue que... Tu lances ton tour là, Sky? Il est en tour. Il est en tour? Ah, il finit? Ouais, parce qu'il s'était loupé. Ok. Test.1, bien joué. Avec des pneus usés, du coup. Enfin, des pneus neufs, mais sur deux tours. C'est dur la qualif, putain. Sa mère. Bon, faut pas passer la spi, hein. Chauffe bien les pneus, Pierre-Jean. Ouais, ouais, je sais. Les pneus étaient meilleurs sur un deuxième tour, hein. Si jamais deux tours de chauffe, c'est pas mal aussi. Hein. Ah, je sais pas s'il aura le temps. Ouais, je pense pas non plus. Non, il n'aura pas. Tu veux me donner la speed, toi, t'es safe? Ouais, mais j'ai plus l'essence. Ah, même pas pour la ligne droite? Ah non, je suis à 24. Nice, ouais, ça sera trop juste. Bon, good luck. .5 la target. Ok, je me mute. Oh là là! Let's go! Avec des usés, let's go! Bien, bien, bien! Bien joué, Paris gagnant, et GB tout proche d'être éliminé. Hein. Ah, c'est pas fini, hein? Oh putain! Ouais, mais il reste qu'une personne possible. Il en retard en plus. Les écarts entre le top 1 et le top 7, 8 là même, 9. Oh putain, c'est un. Ouais, 3 dixièmes à top 8. Chaque fois, le moindre dixième te fait gagner limite une ou deux places, quoi. Ouais, c'est serré, hein. Mais ouais, je l'avais dit, j'ai foiré le secteur 1, j'ai pris direct 3 dixièmes sur mon virage. Bon là, du coup, tu prends tes pneus de Q3, quitte à faire le deuxième tour, tu vois, en soi, il n'y a pas trop de grosses diffs dessus, quoi. Ah, parce que les pneus de Q3 sont pas utilisés? Non. En course? Ok, ouais. Non, si tu fais le Q3, dans tous les cas, ils seront éliminés, ouais, que tu utilises ou tu n'utilises pas. Donc en vrai... Et ça, c'est une erreur que j'ai déjà faite, j'ai utilisé les pneus en disant « Ah, le dernier, celui-là... » On le fait à chaque fois, de toute façon. Oui, oui, moi, j'ai déjà fait, ouais. Mais du coup, ouais, ça veut dire que, ok. Donc là, si j'utilise que les Q3 sur toute ma Q3, en fait, j'ai tous 3 les deux, sauf que t'as, tu les as pour j'en la course. J'en ai 3 neufs, quoi, pour la course. Bah, du coup, oui. Ok, si t'en restes 3. Voilà, c'est pas mal, je suis bien. Parce que bon, ceux-là, ils vont être morts vu que l'IA a pris le contrôle. Ils étaient déjà usés, l'IA est en train d'enchaîner les tours. Dead, ouais. Au-delà de 8%, tu peux dire. C'est mort. Ah, c'est serré de zinzin. Même pas une demi-seconde hein, pour le top 10. Hein. Mais c'est pour ça la course, être dans le bon train, bien positionné au bon moment, ça sera important parce que avec une bataille, ça peut vite casser Et avoir une bonne usure. Hein. Fait chier à être là, Tom. Putain. Il devait pas faire des open lobby bientôt. Ouais, Grizzly. Il pouvait pas passer en Q3 en hard en tout cas, c'est pas possible. Il a eu une maxi aspi de Meraki et ça n'a pas suffi. Sur 10, on a terminé 5 et j'ai gagné premier avec 4 secondes 5. Ok.
Ah, Mexique, faudra esquiver les pénas aussi, j'avoue. C'est quoi la météo pour la course? Sec, sec. Archi sec. Là, c'est bien, bien sec. En tout cas, je suis pas fan du tracé, mais par contre, le Mexique, en termes de. Tu sais, les tribunes et tout, elles sont toutes très belles. Tu sais, genre, il y a un côté stade un peu quand t'arrives. Ah ouais, c'est ça, mais le circuit en vrai il est incroyable, hein. Mais in-game ils l'ont tellement mal foutu. C'est aberrant. Salut Lucas. Le fait qu'il y a un virage en secteur 2 qui se passe à fond dans le jeu alors qu'en vrai il freine. Bon. T'inquiète, Joujou. On verra, mes pneus, moi je suis Oh pas. oui, oh oui! Ah, il me les a bien usés, Oh, hein, que 10%! du 9 là. Là. Je suis à 8. Si c'est Ah 8. là, moi je vais tenter. Ouais, je vais tenter. Parce qu'en fait, j'en aurai 3. Ouais, vaut mieux que je tente toute ma qualif avec les mêmes pneus et. De toute façon, en vrai, la qualif n'a pas d'importance dans cette compétition. Est-ce que du coup, est-ce que vu que je vais faire 2 tours avec, je mets de l'essence pour. Non, bah non, ça va me les user Mais encore 6 plus. kilos, hein. Ah ouais, genre je crame pas, genre 6 kilos, je suis à 4 tours. Je Moi, fais 6 kilos, j'ai pu faire 2 tours. un tour de sortie, un tour rapide, un tour de recharge, un tour rapide. Ouais. Non, c'est 2 tours coup sur coup, hein. Ah En ouais, fait, si tu te loupes premier, comme t'as assez d'essence pour faire un c'est deuxième, ça. quoi. Ouais, Ça mais que je comme veux ça, dire. en plus, je peux optimiser la piste, tu sais, je peux lancer au dernier moment et Attends, faire mes deux tu peux pas tours. sortir avec des pneus neufs pour me donner la spi? Avec des Des pneus pneus usés, neufs. pardon? Des usés, 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 usés. Je vais sortir avec des inters, si tu veux, pour te donner la spi. Bah, sors vite alors. En fait, il aurait fallu que. Ah bah non, 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 ça va me niquer là. Attends, en termes de temps, il reste 10 minutes. Ah oui, c'est short. C'est chiant pour faire à Vaut 2 tours mieux que tu après. partes avec. C'est comme toi, si tu veux faire qu'un run en soft. La meilleure façon de les Il y a le remercier, temps. c'est de faire une grosse performance. Ouais, mais je vais faire un run et refaire un autre run avec le même pneu. Ok, d'accord. Donc je vais faire 2 runs avec un pneu. Ok. Ça. Vaut Donc en mieux que je fait, quand fasse tu vas ça? sortir des stands, bah ça dépend. Ça dépend de toi. Si tu veux faire comme t'as fait en Q2, tu le fais. Bah, je sais pas, je connais pas les timings après du coup. Là, je mets combien de temps à sortir? Attends. Ah, ça va donner un maxi aspi dans la ligne droite, hein. Ça va donner un maxi aspi dans la ligne droite, là, les deux Williams. Pour faire la run, je mets. Donc là, un tour c'est une 16. Donc pour sortir, on va dire 2 minutes. Donc 2 minutes, 3 minutes, plus un tour d'entrée. Donc il faut 4 minutes. Donc ouais, à 7, 7, 6, 6 minutes, 7 minutes, je peux sortir. Let's go, je mute. Vas-y. Oh, mais je sais. Et c'est. Cry, Ouais. je sors maintenant, il me donne la spi sur la big ligne droite. Bah, il peut, ouais, sur son tour de. Est-ce que là il reste combien de temps? Il reste Il 9 reste 9 minutes. minutes. Ouais, je vais faire ça. Faudra lui demander la spi, mais ouais, il va foncer encore. Il va jamais me la donner sur la big ligne droite vu qu'il s'est mute. Bah, dans tous les cas, là, il aurait fallu que tu sortes. Bah, Ouais. maintenant. Ouais, bah, t'es sorti là. Ok. Du coup, lui, il va finir son tour. Mais il sera tellement loin devant. Ouais, c'est Ah, chaud. je sais pas. Il sera loin devant. Lui, là, il arrive. Enfin, il est déjà secteur 2. Le temps que Ouais, tu bon, chauffes bah, je les vais pneus, faire que tu 100. sortes. Je vais faire 100, c'est pas grave. Je vais essayer de cramer un max d'essence, toujours. Ah, là, je crame bien, là. Là, je crame bien et je chauffe bien. Non, c'est bien. T'auras une deuxième tentative, donc.
Ouais, là il a fini donc c'est pas trop juste. En fait, il aurait fallu que tu lui donnes la spi en sortant des pits sur son tour. Ouais, comme et ça. Et du coup, lui, là, t'aurais été assez proche pour. Pour qu'il t'emmène. C'est pas grave. Non. Là, je suis bien en température et en essence. Il nous reste 1,8 tours. Donc, je vais rentrer avec une panne d'essence, mais au moins. Allez, je vais me mute, attends. Vas-y. Hop là, je suis mute, let's go. J'ai la température, j'ai l'essence, je suis bien, on va tenter. Allez. Ah, j'ai fait de la merde. Ah, j'ai fait un peu de la merde. J'ai glissé, j'ai pas rasé le mur à la fin. Ouais. Et ouais, ouais. Bon, dernier secteur un peu compliqué, mais ça veut dire que t'as de l'amélioration. Et P4, c'est pas si mal. T'as encore un train sur cette gomme, donc tu peux améliorer. Tu sais qu'au moins, si t'es dans ton dixième, tu peux améliorer facilement. Ouais, et en plus, vas-y, je vais cramer ces pneus-là. Je pense limite vu en fait, je pense limite de toute façon vu que c'est une 100%, tu sais, il vaut mieux avoir plus de trains de pneus neufs que. Ouais, j'ai fait 16.5 mais je me suis foiré. Bonsoir tout, j'ai l'impression parce que j'ai fait un 16.1 et je suis en pôle pour l'instant donc je comprends pas. Faut plus virage vite, mais non. Si en vrai, je peux que le circuit, tout le monde l'a fait hein. Oh, il reste 4 minutes. Ah, vraiment, le tour est dégueulasse. Je suis en 19.4 secteur 3. J'ai plus de batterie. Secteur 1 est dégueulasse aussi. Quelqu'un est en intermédiaire? Qui est en intermédiaire? C'est Torm, 23.5. Ah, c'est nul. Allez. Je suis clairement pas à l'aise en qualif. Enfin, j'espère que le stop sera mieux en course. Ah, c'est pour ça, avoir plus d'aéro, c'est. Tu sors là? Ouais, je ressors. Je vais mettre un peu. J'ai mis 6 kilos comme ça si je recut. Mais je suis pas à l'aise du tout avec le setup. Genre, les changements de direction, virage lent, elle a du mal. Mais bon. Je sais pas, je suis à combien d'usure là du coup, je vais voir. Parce que j'ai glissé un moment, ça m'a peut-être dégommé. Tu devrais être à 3, 4 grand max. Alors en vrai, sur mon tour de sortie, en plus, j'ai bien cramé sans user vu que je faisais que du freinage. Je pense que tu peux prendre deuxième, troisième. Non, parce que je pense que là, je suis quatrième aussi parce que les autres avaient des pneus usés sur leur premier tour. Oui. Et certains n'ont même pas fait de chrono donc. 15-9. Ouais, il y a 76 millièmes d'écart. On va s'en sortir. Hein. Oui, oui. Attention à tout le personnel, une monoplace va partir. Prends un train neuf, ça te sert à rien de repartir en usée. Non, il y a 76 millièmes d'écart. Peut-être sur la fin du tour, je vais commencer à glisser vu qu'ils seront en fin d'usure. T'as du temps à gagner. Et j'ai du temps à gagner, ouais. Donc, ouais, j'ai 4% à l'arrière, c'est la glissade, je pense.
Regardez, je vais bien cramer. Me passer la speed pour la deuxième ligne droite, ça m'arrange, ouais. Et j'aurai de l'essence pour te la donner aussi. Je me lance mon tour. Ah oui, putain, oui. Let's go. C'est pas mal, non? Il a un peu de retard. C'est à lui? Pas mal. Ah, il y a du reading, par contre, je vois des petites boules de gomme. Pourquoi il y a un bruit de micro? Peut-être moi. On va voir si j'arrive à améliorer. Hein. Ouais, tu peux le faire, je pense. Après, la pole compliquée, 15 points. Non, 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 le but c'est juste là d'optimiser la position. Ouais, le Frati qui lance. Voilà. Allez, vamos. Good luck. Est-ce qu'il va pouvoir me la donner? Bon, on va voir. Hein. Oui. Ok, bon, bah ça marche, je me mute. Ok. Bien joué. Oh. Merci Skazi. Bah la spi hein. C'est français. Bah 16.1 c'était pas mal comme comparé à ton meilleur temps. Ouais, bah avec des usés en plus, pas dégueu. Hein. Bah en fait j'ai glissé à la fin de toute façon dans le premier tour donc. Et ça puis 5-6 c'est des bonnes positions. On est 5ème et 6ème là? Ouais là ouais. On est 5 à 6. Oh la vache. Bah de toute façon il risque d'y avoir un drame. Tom il va prendre la spi sur Meraki. Il va... De toute façon vous êtes les premiers en 1-16 devant, ils sont tous en 15. Vas-y je vais pisser au cas où. Ah je l'avais le 15. Je l'avais le 15. Ouais, je pense que tu pouvais être 3, 4 je dirais. Ah même plus hein, en entraînement je suis en point 7 mais le point 6 je l'avais pas, ça c'est sûr. 3e... En vrai 3-10e demi sur un circuit que je déteste, on va dire que ça va. Là, ça reste honnête. Ouais, je suis 19-4 secteur 3, c'est honteux. Ouais, c'est... T'as deux bons dixièmes dessus, je pense. J'ai le record... Non, j'ai 27-8 Meraki de secteur 2. Enfin, j'ai un bon secteur 2, mais c'est mon secteur 1 qui me coûte aussi, je suis pas trop en point 6. Du coup... J'ai GB, je vais mettre Savzo. GB Savzo. J'ai la Creator, je vais me mettre Tom. Je vais mettre Meraki pour voir comment il push au début. Et je vais mettre Tombe.
J'aurais une vue sur Tiamat comme ça. Attention à votre essence. Alors, quand même. Tac, tac. Tac, tac, médium. Bam, bam. Ouais, créer team principal, ouais. Oh, ça a lancé. Ouais, déjà. Oh, ça a lancé vite. Ouais. Ouais, ouais. Donc, attention à votre essence, pression si vous voulez changer. Tombe, il fait medium, medium soft. C'est quoi l'essence, c'est combien? Tu mets un tour. Moi, je suis à 105 kilos. Avec les safety cars, voilà. Meraki a l'air de partir en med, Tom en med. Tout le monde a l'air, sauf Savzo en soft. Savzo moi, en je soft. Pars en soft. Ouais, en GB soft en soft. Ouais, moi, je fais soft, medium, soft, soft. Ok, tombe en soft. Ah oui, c'est vrai. Ils vont attendre bon, la safety. Ah ouais, t'es en médium. Bon bah, si jamais je fais un meilleur ouais, départ. Je serais passé au départ. Il est où Tom? Tom, il est 9. Derrière Tiamat. Alors. Ah ouais, est-ce qu'on a un modo pour une prédit ou pas du tout? Je sais pas. De toute façon, moi, mon rival, c'est Tiamat, les gars. Alors, Meraki, premier soft. Ah, c'est dommage. Deuxième, médium. Troisième, en Tom, médium. Quatrième soft. Et puis vous deux, medium soft. C'est giga split, hein. On va faire un recrutement modo à un moment. Savzo en soft, 8ème medium, tombe en soft, après medium soft. En fait, c'est assez disparate. Équilibré, quoi. Ouais. Je vous tiendrai informé, de toute façon, au fur et à mesure de la course. Vas-y. Mais le premier en soft, après 2-3 med, GB 4ème en soft, donc GB va tenter de passer. Ah oui, oui, merci. Et voilà. Tu mettras une minute, on fera une prédit rapide et. Moi, excuse-moi, j'étais pas focus, j'ai pas écouté. Qui est en médium devant moi à part Skazi? Alors, Raisin, Tom, qui sont en médium. Et puis derrière toi, t'as Tiamat et Aiden. Ok. Et tout le reste est en soft. Bon, on va essayer de bombarder au départ. Prédit top 5. Le premier est en soft, le quatrième aussi. Donc le quatrième risque de mettre un peu de pression au début. Voilà. Ok. Good luck, Skyzy en med. On va essayer de faire la différence. Moi je vais mettre plus 1 de balance des freins parce que je sens le blocage au départ. Surtout avec le poids de l'essence et tout. Oui, à la prédit, les gars, n'hésitez pas à voter top 5. Ouais. Bon, je vais prendre un meilleur départ que moi, mais juste. Quand pas comme un gag. Ouais, on va essayer. J'aime pas vraiment ça. C'est Imola 2.0 là. Hein. Violet! Allez, vamos. C'est le moment de faire une belle course aujourd'hui. Yes, good luck. Qui ira à gauche? Piège là. C'est bien. Eh merde. Tellement je fous le départ, je sais pas combien il y a eu de contact, hein. Mais déjà à track limite. On va mettre ça dedans, attention à la batterie, il est plus rapide. Pardon, sorry JB. Tu lui as cassé ça de moi. Aussi là. Oh non putain. Oh, qui derrière moi là? C'est tombé.
Oh, bah, étonnant. On fallait shooter aussi. Ouais, ouais, j'ai failli shooter en fait, c'est pour ça que j'ai mis un grand coup de frein et que c'est JB qui a pris. C'était pas nécessaire en vrai le dive, mais bon. Hein? Je pensais que t'allais rester. I'm sorry for JB, guys. I missed my break. I did a mistake. Ça se bat fort devant. Virtuel. Ouais. Qui Qui a fait quoi? T'as les dégâts ou pas? Non, j'en ai pas. Il a pas de dégâts. C'est GB, il a son aileron cassé. Ouais, c'est... Oh, j'ai mis ma warrior sur son aileron. GB a 40 d'ailerons avant, pour info. Hein? GB a plus d'ailerons, il a 40 à l'avant. Ok. Et tu disais que ma raquette est plus lourde aussi, hein, c'est ça, hein? Ouais, il est en 30 à l'arrière. 38, alors, 30. C'est pas grave, parce que putain... Putain, je suis désolé. Ah ouais, le tout droit est catastrophique. Vu ton heure, je pensais que t'allais attendre un peu, sachant que GB était beaucoup plus rapide. Le taxi. En tout cas, Pete, il a raison, Pete, maintenant. Il met des nouveaux meds. Non, non. Bon, c'est pas grave, je perds une position, mais j'ai évité le drive-thru. C'est vraiment, ça m'a surpris. Ah, j'ai eu les flashbacks d'Imola là. Pas deux fois quoi. Il rage des vies. Non, mais c'est normal, c'est normal. J'aurais ragé aussi, hein. Vince utilise sa batterie, il a 30%. Vince dit que tu l'as break check, mais à quel moment? Hein? Ouais, à quel moment? Ah, that guy Vince, ah oui. Non, il y avait juste, j'ai pas break check. Bah oui, mais c'est le delta. Alors, ok, you're terrible, bro. I know, I did a mistake. I already said I'm sorry. But for Vince, I didn't break check him. It was the delta. I was close to have a drive-through. Faisais quoi devant la batterie, Cry? Meraki 35, Tom 75. Attends, mais ils ont combien d'ailerons là pour me mettre ça? Oh, il a dû bombarder sa batterie, non? Il a 80% de batterie, ça faisait. Oh, Pierre, quitte à dire un truc. Pour Vince, expliquez-lui juste qu'il est déjà allé avoir un drive-thru au niveau du Delta.
Et pour JB, bah, à part dire que je suis désolé et que j'ai fait une erreur, je peux rien dire de plus, quoi. Putain, je suis lent de ouf. Le live est partout, mec. Ah, ça glisse un peu quand même. Taco, il a combien de RS? Je vais te dire ça. Parce que pour me rattraper comme ça en ligne droite, c'est top léger, il a dû bombarder, non? Ah, il cache sa batterie. Ah oui, il c'est vrai. Il a sa cam dessus. Mais il n'est pas dans la première partie. Meraki à 30%. Tom, il est en sort, je devrais pas galérer comme ça, Meraki, je comprends pas. Ah, ça commence déjà un peu à glisser, on vient de dépasser les 8%. Meraki, il est parti avec plus 4 tours. Peut-être pour ça. Il est con. Il a pas eu le temps, peut-être. Bah, du coup, confirmation, mon stop est mieux en course. Hein. Heureusement, oui. Putain. C'est normal. Ah, il glisse. Tombi vient de se prendre un warning. Il a 45% de batterie. Voilà, il va me redoubler avec le DRS, je vais pas me battre. Le Burtier est bien particulier, secteur sport, hein. Putain. Il va te voir dans la ligne droite et essayer de jouer à deux devant, c'est à 2 secondes. Donc, il a pas utilisé sa batterie, mais à speed DRS il va te passer. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'il fout? Il est en galère. Ah bah je vais. Je vais devoir utiliser de la batterie du coup parce que... Parce que ça se bataille bien devant donc sur un ou deux tours d'attaque à mon avis... Ouais, je suis remonté, ça se bataille fort. Ouais. Ok. Et hop, Zarch. Ok, impec. Ah, il a... En fait, Taco a le setup léger, mais c'est en train de lâcher quoi. Dès que t'as de l'usure. Ah oui, oui. Il est trop en galère, donc vaut mieux que tu l'abandonnes. Il te ralentira plus qu'autre chose. Ouais. Utilise un peu de batterie jusqu'à 40. Ouais, il est à 8 dixièmes, j'espère quand même que. Je vais te dire ça. Il a mon avis. Oui, il est loin. Dans la table. Ah, je monte pas sur devant. Voilà, vous êtes à 3 secondes. Ça s'est arrêté un petit peu de se batailler, c'est en train-train. Tom il est presque full en batterie, 95. Je pense que Razine et Meraki ont du mal en batterie. Ouais, 40. On va falloir faire gaffe aux vibreurs hein, sur les S. J'ai vu ça. Ah, ça glisse. Razine 75 de batterie, il utilise un peu, mais. C'est vraiment un train, ça va être le undercut, hein? Ouais, 20.5 le temps des leaders. Donc tu perds une seconde par tour. Ça se bat derrière.
Moi je me bats pas là, j'avoue que j'espère qu'il va vite reprendre sa trace pour... C'est tombé Vince. Oui, il bug autant. Ah oui, il est aux US. Oui, l'undercut marche très bien. Oui. Ah oui, c'est sûr. Il prend 2 secondes par tour. C'est pour ça que je suis en soft aussi. Hein. Je vais... Je pense que je vais même pit plus tôt que prévu, mais j'ai peur de me faire encore avoir par les safety. Maintenant, il y a un trauma. Logique. Allez, reste bien dans 5 secondes. Ah ouais, le stade là. Oh. Comment tu glisses sur l'arrière ici? Les médiums commencent à avoir beaucoup plus de grip. Hein. Miraki, ah, c'est deuxième en soft, t'as du mal. On va se tirer, hein. Ouais. Ah, c'est pas cool. C'est déjà la vraie course, oui. Ah, c'est la vraie fin là. Tiens, mettre 17% de batterie. Tombe en A26. Ah ouais, quand même. Les deux ils ont beaucoup d'appui. Ah, je suis à 64 là. Ouais, dans le train ils ont pas énormément de batterie. Il y a juste Tom qui est Sabzo. Même plus, attends, je m'arrête. Moi, c'est 20ème. Et toi? Ah, vu que je suis en médium, ce sera plus tard. Mais tu regardes dans ton HUD si tu balances, il va te dire. Je pense que je vais faire moins 2. Ok. Pour info, Sabzo, il a 33 à l'avant en termes d'aileron. Ok. Donc, il a un setup dans la ligne droite, quoi. Oh putain. Oh, je glisse de ouf. Devant, ça se gare hein, devant, hein, l'enchaînement. Ah bah là, ça y est, ça commence à glisser. Hein. Ah, ça se bat surtout. Ouais. Ah bah moi, ça glisse surtout. Je vais changer la balance des freins. Bien. Meraki récup 60 de batterie. Ok, la température, on est à 102. Ça va. Les S, on va être précautionneux. Parce que ça glisse. En deux, c'est max, hein, c'est la température max avec le soft. Ok. Ah, je commence à glisser. Je vais undercut. Mais genre bien, bien, bien. J'espère juste qu'il n'y aura pas de safety. Combien t'as de. Pour ça? 24, mais pas tout de suite. Je vais undercut genre dans 4, 5, un truc comme ça. Tu sais, je vais genre undercut de moins 3. Ouais, Razine à 50%. Bon swap, Tom et Meraki. Ouais. Sabzo, il est dans le train aussi ou pas? Oui, tout okay. Dernier du train. En okay. Fait, il reste à distance, mais il est okay. Tout. Donc, comme ils sont en soft. Là, vous, avec Taco, vous êtes les seuls qui ne sont pas dans le train. Ouais, mais j'essaie de faire en sorte qu'on se gêne pas non plus. Donc, Ouais, non, c'est cool. C'est juste vous avez un peu moins de pace, vous glissez.
serait bien peut-être que tu essayes de fumer Raki, non? Ouais. Bon, t'inquiète, mais je vais. Skazi, tu vas voir, ça va bouger devant, je vais provoquer la panique, je pense. Je vais essayer de pit bientôt et ça va commencer à. Mais Raki utilise plus de RS. J'en ai utilisé moi. Ouais, lui aussi, il l'a utilisé au début. Après, pour le moment, je pense, j'ai envie de dire, le moment où tu pushes, ce sera le moment où c'est kickbox. Essaye de remonter à 70. Sauf si tu vois qu'il galère trop. Ah, parce qu'il galère. Ouais, je pense qu'il faut essayer de te rapprocher à max. Hop, tour 13. De toute façon, le vrai drop, c'est quoi? C'est 35%? Ouais, à peu près. C'est okay. Le deuxième. Tombe, ça propose de s'arrêter tour 15 pour info. Sur son chat. Ah ouais, ok. Et est-ce qu'il est du genre à écouter son chat? La dernière fois, ça avait l'air. Là, en fait, ils hésitent entre 15, 16, 17. Allez, essaye de push. Il n'y a plus de batterie. T'as 10% de plus, Sky. Rapproche ton micro, peut-être, Cry. Ouais, désolé, comme ça sera mieux. Ouais, tranquille. Notre retard avec la voiture qui nous précède est de... Ah, j'espère qu'on va pas box maintenant, quoi. Good job, Sky. Ah, mais j'ai perdu beaucoup de batterie, là. Tu penses qu'on box maintenant ou pas? Moi, je veux faire l'undercut, en fait. J'ai lag sur son stream, je vais refresh. Ça parle 15 là. 15 c'est quoi? C'est le tour d'après là? Ouais. Donc si tu veux undercut, tu peux box ce tour là. Confirmé, on t'attend au stand à la fin de ce tour. Ah non, c'est peut-être trop tôt encore. Ouais, je dirais box comme tombe. Ouais. Ah, that guy qui box. Oui, lance. Tombe, il a vraiment 1%. Il a pas pris son réglage léger, Tom. Hein. Impossible. Ouais. Mais t'as bien fait de passer, en tout cas. Il galère derrière. Ah, ils ont pas eu de DRS. Ouais, ils ont tous les deux plus de batterie. Donc là, t'es bien, tu recharges derrière Razin. Il a 50. Ok. Combien d'averto, Sky? 0. Ah. Ton band a 1. On me demande ça parce qu'on a 2? J'en ai 1, moi. Personne box devant? Non. Tombe, va box. Tombe box. Ouais, box. Mais Raki aussi. Ok. Box avec eux. Ouais, c'est ce que je fais. Attention au freinage. Il box en médium. Ok, bah moi aussi, ça tombe bien. Yo Yed, ça va et toi? Ok, bon. On va voir combien on récupère. En tout cas, Vince les a undercut de bien une seconde. Ah ouais, à ce point? Ah oui. Je pense mettre les rouges, moi, en deuxième relais. Hein.
De quoi? Je pense mettre les rouges. Ah oui, toi tu veux. Je te tiens informé. La semaine dernière. Puis j'ai pas la safety maintenant. Là, je deviendrai fou. Là, il y aurait le monde contre moi. Je refuse. Razi n'aura pas le DRS. Il a 40% de batterie. Il l'utilise pas. Il l'utilise pas. Allez, good job Sky, utilise un peu de batterie, tombant. Tom en a que 17 devant. Ok. Let's go, je vais peut-être me débarrasser de Tacoman. Oui, oui, oui. Good job. Bon, j'espère que JB va pas se venger. Je pense pas. On est bien. Ouais, on est pas mal. Yes, vous êtes pas mal. Hein. Comme clignote. Ouais, il donne tout là, il a plus rien. Il est à 11. Non, t'es bien, Sky. Maintenant. Il s'est passé quoi? Bah, j'ai fait une erreur au début. Et je lui ai cassé son aileron. Il utilise pas Razi. Un coup de frayeur. Ouais, c'est dommage, mais là tu auras heureusement que la zone DRS est deux fois. Ok, va falloir garder Taco en dehors des 2 secondes au moins pour être safe. Yo Verstappen. On va push un peu. Ok, je suis assez à l'aise dans le secteur 2 finalement. Ce qui me pose problème, c'est la traction. Toi, t'as déjà pit, Sky? Non. Ah. Non, les 5 premiers n'ont pas box. Ok, donc peut-être que j'ai un espoir de les rattraper, là. Te donne leur temps en tour. C'est pour les faux gars, merci beaucoup. Comme ça, tu pourras comparer. Vas-y. 21-3. 22-1 pour Tom en première position. 21-3, 22-1, ok. Ok, je suis en 1.20.5. Ok. Donc je remonte sur eux. Tu gagnes une seconde par tour, facile. Ok, donc ok. J'aimerais bien rattraper le. Enfin, être dans le train de DRS, quoi. Je pense Savzo, il est en soft, il est à 7 secondes 2, donc tu seras avec lui. En quoi, comme toi, vu qu'ils sont arrêtés? Medium. Tout le monde est en medium. Après, la normale, vu que bah, ceux qui se sont arrêtés maintenant, c'est les soft. Ah mais du coup ceux qui étaient en soft sont arrêtés pour le medium. Oui. Oui. Ok. Comme ça après là, on tout le monde est en med à part au-delà du top 16. Il y a juste Savzo qui est sur 18 tours de soft mais il galère. On se fera jaune, rouge jaune. Je vais dire en couleur parce que comme ça il n'y aura pas d'espion. Ouais ça m'a l'air pas mal. Avec les meds
En espérant que tu sois chanceux sur la safety. Donc déjà j'ai attrapé un train de DRS là. Bien joué. Kiwan. Ah, tombe à 3 secondes. Ouais. Excellent. C'est le seul d'ailleurs. Avec qui vous battez. Que le P19 ça vous intéresse pas. C'est qui ton AG? C'est Crysix. C'est qui? De quoi? C'est qui P19? Punju. Ok. Et Dali aussi, 14ème. Je vais faire moins 2 pour la restand. Ça me paraît good. Je te tiens informé de ce que fait Tom. Là, il recharge un petit peu. Il est à 27. Ok. Razini à 43. Okay. Non, je vais pas lui refaire au même endroit. Je vais attendre le DRS du coup. Oui, oui, tu gagneras plus. Et tu l'auras dans les deux lignes droites. Ok, je passe devant Savzo. Mais j'étais devant Savzo, non? Attends, j'étais où? Non, 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 il était dans le train de devant. Ok, donc là, oui, j'ai bien remonté. Oui, il était 8 secondes devant toi avant le box. Ouais, mais là, par contre, il va y avoir une diff de pneu, il va me remonter aussi. Ouais, après il a des meds. Donc si tu gardes un peu de batterie et que t'essayes de le suivre. Ouais. Sur au moins 2-3 tours, c'est ça de pris. Non les gars, c'est pas un bon coup les hard. Non, les hard ici galère. Vaut mieux faire 2 fois soft qu'une fois hard. Ouais. En fait de base, les hard sont rarement un bon coup. Il y a des exceptions, mais c'est pas la stratégie principale quoi. Je boxe à ce tour. Ok, cool. Je surveille la POV de Tom. Ah, peut-être que j'extène un tout petit peu en vrai. Bah je me dis tant que t'es devant, mais la surprise c'est qu'il peut. Il peut te surprendre en nombre peut-être. Ah bah Meraki t'as 13 secondes hein. Ouais bah ouais. Ils vont se battre les deux Aston? Non. Non, il se bat pas. Savzo, il a un setup lourd ou léger? Léger. Il a 33 à l'avant. Il doit être en 33-24. Ok, ouais, donc... Donc sur un coup de chance, je peux juste le suivre dans les zones de DRS et le rattraper à chaque fois dans le reste. Oh, oui. Avec malgré un peu qu'il d'espoir. Ait des pneus plus frais. Ouais. Je vais le mettre sur YouTube si t'inquiète. Les deux vont continuer. Ouais, je sais. J'ai vu. Sur la chaîne replay, point d'exclamation replay dans le chat. Et tout ça en soft. Ouais. Y'a Tiamet qui vient de box, même tour avec des softs. Derrière toi. C'est la même stratégie que moi? Ouais. Ouais, mais je passe devant Tiamet là. Tiamet, il était en face de toi en concurrence? Un peu plus loin. Un peu plus loin, mais ouais. Il était à 4 secondes derrière, mais oui. Logiquement, okay, bon, ça se bataille pour le podium. Ok, bah on va se bagarrer alors. De base, c'est mon rival au championnat donc.
La chance, c'est que c'est des soft usés, moi, que j'ai. Ouais. J'ai vu ça. Tiens, mettre à 25% de batterie. Il passera pas là. Il a pas de VMAX, tiens, mettre. Ok. Ok, s'il a pas de VMAX, alors on va jouer comme ça, c'est pas grave. Tu as perdu une place. Tu es descendu d'une place. Les deux vont essayer de se battre, je pense. Il utilise tout là. Il clignote. Il va clignoter, fin de ligne droite. Hop, ouf. Qui devant? Ah, ça retarde à terre, je crois que c'était Tom. Non, 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 c'est son coéquipier. Et après, on gueule quand moi je pousse en dehors des pistes. Hein. Allez, Swan, t'as relance, Pierre Jean. C'est mon avis, Thibault. Est-ce qu'une safety car maintenant nous servirait? Alors, combien de s'arrêter? Je me pose la question, tiens. Ils continuent devant, en tout cas. Ah, ça faisait avec le setup léger, il va le rattaquer instant. Swain, ta relance, ouais, j'ai un peu. J'ai paniqué. Ah ouais. Bon, de toute façon, avec des pneus beaucoup plus frais, ils vont tracer devant. Merci Hostile pour le Prime, j'avais pas vu, j'ai pas le son. Merci beaucoup. Ah, j'ai même pas un rythme de fou. Laisse pas attaquer, putain. L'écart avec le pilote de devant est de 2,1 seconde. J'arrive jamais à me dire, ok, c'est bon, maintenant je peux attaquer avec mes pneus, tu vois. Bah, faut que t'aies dans ta tête que c'est comme une mini calif. Passe pas. J'ai pas eu 3 qui bot. Tom reste. Ils sont en 22-4. Ok, Razina box. Pour des softs. Ils étaient en médium les deux? Ouais. Ouais. Razin va peut-être ressortir avec toi. Au défendant. Et il sera peut-être un peu devant. Je dois l'attaquer, Razin. Il est en soft, vaut mieux pas. Bah, de toute façon, même en soft froid. Tension devant, c'est un retardataire. Hein, devant lui. Ok, j'ai Taco qui revient, qui est dans les 1 seconde 8. Plutôt clean pour, comme blue flag, il était pas simple. Yo, Raptor. Du moins qu'on repasse en médium, je vous le dis, les gars. T'as mis 6 secondes 5 à Rising sur ton undercut. Tu vas repasser en médium? Ah oui, bah, oui. Je suis en médium, moi je fais médium, soft, médium. Ah ok. Mais je suis pas à l'aise avec les softs, genre j'arrive pas à push. Ouh. Oh, tant mieux. Une petite glissade, pas de batterie.
Ah, je pense que là, je suis dans ma position logique, quoi, en termes de rythme. Ouais. Après, c'est pas fini, il y aura des strats avec les softs et tout. Alors, pour info, Meraki est revenu à 2 secondes 6 de Tom et il a box. Et le premier n'a pas box. Oh, je sais pas ce qu'il fait comme strat. Il va tenter peut-être lui un arrêt. Hein. Ah, il va boxer en médium là, je crois. Bah, Razin et Tiamat avec les softs, au bout d'un moment, de toute façon, ça va finir par chuter et on va pouvoir revenir dessus. En théorie. De ce que je comprends, il aimerait faire médium, médium, soft et il devrait box à la fin de ce tour. Qui ? Le premier, Tom. Ok. Tom 97. Ok. Bon, mais il a plus de batterie, on est d'accord, hein. Oui, oui. Ça recharge zéro. Il a que dalle. Pourquoi je suis pas à l'aise avec les softs, c'est bon. J'ai l'avant gauche qui surchauffe, hein. Ouais. Mais comment tu fais? Toi t'es tout le temps surchauffe. Parce que je mets les pressions aux petits oignons. Bah t'as sûrement 20.8 comme moi. À l'avant. 23-0. Hein? 23-0. 23-0 à l'avant? Ouais. Bah oui, mais tu m'étonnes. Les jambes qu'on conseille, elles sont souvent mauvaises, hein. Enfin elles sont souvent pas optimales en tout cas. Là, je trouve qu'elles sont bonnes sur Pierre Jaguar à 101. Bon, pour le coup, moi à l'arrière, je suis pixel, mais juste l'avant gauche. En médium, j'étais nickel, mais pas en soft. Tom à box. Tom, c'est ton concurrent? Ouais, pour des meds. Ok, bah je suis devant lui. Cool. Et Razin a une déco, il est en train de revenir. Pas mal. Genre là, si je ralentis tombe, Tom, tu peux win? Ouais, je peux te sucer, ouais. Okay. Bah, il va être bloqué derrière ta commande sur le secteur 2. Hein. En plus? Ouais. A vraiment pas de max, genre vraiment pas. Il semble, c'est bizarre. Faut que j'arrive à le choper avec la DRS, la zone DRS du secteur 2. Ah, Vince en spin. Après, il a pas cramé de batterie, hein. Non, il récupère. Il est à 30% et il t'a laissé passer. Il a ralenti un petit peu. Ah, c'est un secteur 2, putain. Il voulait te laisser passer pour qu'il ait le DRS. Belle petite glissade. J'adore. Je viens de me rendre compte que le rechargement que j'ai fait de l'essence pendant la VSC, pas du luxe. Ouais, il serait utile. Nico, c'est toujours pas de safety car. Étonnant. Ça arrive. Reste connecté, ça arrive. Bon, je suis désolé, je vais pas pouvoir défendre sur Tom. Ah. Il a pile poil le bon timing du DRS. Je m'appelais pas à ce que tu défends dans tous les cas, je vais pas te mentir. De toute façon, il a perdu un peu de temps. Il est resté un tour derrière Taco. Un tour derrière Pierre-Jean. Le problème, c'est que j'ai pas de rythme avec le soft. J'ai plus de rythme.
Et Tom a mis les médiums, donc il finira sûrement en soft. Ça va, les petites coups de roue, Tom? Il a peut-être pas aimé. Attends, 41, 71, ça fait quoi? Ça fait 30 tours, donc... Ouais, ok. Ouais, 30 tours. Essence pour ERS de Tchanet? Tout de suite, chef. 14. Ah, j'ai Taco qui revient sur moi. Pourquoi t'es sur YouTube Kick aussi? Bah parce qu'on peut le faire. Parce qu'on aime bien dehors la loi. C'est ça, ils peuvent le faire tant qu'ils interagissent qu'avec le chat de Twitch. Non, 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 tant qu'on priorise. Ah non, tant qu'il n'y a pas une. Comment dire, un widget pour faire les deux en même temps aussi. Oui, oui, tant qu'il n'y a ouais, pas. Tant qu'il y a, non, mais tant qu'il n'y a pas un widget affiché sur le live et tant qu'on ne délaisse pas le chat Twitch, mais on a le droit de parler au chat YouTube et Kick. Hein. Ah, j'avais compris qu'il y avait pas. Ah, oui, oui. Ah, oui, quand même, sinon. L'enfer. Meraki. Je réfléchis, ouais. Ok, ah, si, c'est bon, je suis pas mal. Allez, je me concentre sur ce tour parce qu'il faut pas que Taco me chope le DRS, ce serait chiant. Taco, j'arrive pas à savoir s'il a un setup lourd ou léger. Je sais pas non. J'ai l'impression qu'il a un setup léger. 21-4 pour Meraki. La voiture de devant s'éloigne. Il prend environ 2 secondes par tour. Ouais, c'est toujours avec la surf, c'est parce que psychologiquement j'arrive pas à attaquer. Ah là, t'es en fin de relais un peu aussi donc. Ah, et même, j'ai trop perdu. Ok, ça va, on le maintient en dehors du DRS, c'est bon, on est pas mal. Yurazin aura le DRS. Ouais, Tiamet donne tout là, il a plus rien. Ouais. Bah, Tiamet il doit être sur sa fin de ses softs aussi. Ouais, on a boxe en même temps donc. Ouais, c'est il ça. A pas de VMAX. Ouais, du coup, 30 tours, je vais pas faire 15-15 non plus, je pense que je vais faire peut-être 18-15, 16, 17, 18, donc ça fait 3 tours de moins par rapport à cet arrêt. Ok, je sais à quel tour je boxe. Ça roule, top. Curiosité, à quel tour? Oh, pff, est-ce qu'il y a une langue qui comprendrait pas si je disais un chiffre? Bon bah en français... Je vous donne juste le dernier numéro du tour. Attends. Tu vois la première guerre mondiale? La seconde guerre mondiale? Ouais. Elle commence en quelle année? Bah c'est un de moins.
C'est bon, t'as l'info? Ouais, j'ai l'info, c'est et bon. Bah voilà, bah parfait. Bah et comme quoi, hein, on trouve des méthodes, hein, on a des codes, hein. Il y en a, ils font plein C, plein B, plein I. Bah nous, on trouve des moyens. Vas-y, ne va te passer. Il a 30 de batterie. Des infos à la Ferrari de fou. Voilà, tu vois la guerre là. Sierra plus tout. Ça se bataille bien devant. Il y a un monde où Razin attaque les deux à la fin de la ligne droite. Mettez des fausses infos les gars, mettez genre qu'on boxe genre 40. Non mais fallait pas dire le chiffre. Genre comment? Ouais, genre comme la fin de la Seconde Guerre. Ah putain, bingo. Ah bah merde, je parle, je fais des blagues et Taco il vient de revenir dans le DRS là, c'est chiant. Voilà, comme ça on balance. Les gens vont penser qu'on va s'arrêter. Ah, le 70, il est peut-être. Arrivé sur l'arbre. Ah, ça boxe déjà pour tombe avec ses médiums. Ouais, il avait box. Ah, d'autres gars aussi, ouais, je pense qu'ils vont faire des médiums aussi. Ouais, ils vont faire double surf surtout. Déjà ? Ah, les gens vont pas du tout au boulot. Ça sera galère. Ouais. À moitié, hein. Ils mettent les softs. Ah, déjà en médium et Vince en dat guy en soft. Ah, c'est soft hein, qui se met bien. Ouais, mais maintenant c'est tôt non? Non, 18. Il reste c'est toi. 18-18, tu seras un peu en galère. Hein. Si tu fais comme prévu, tu seras un peu mieux que je dirais quand même. Il y aura qui doit éclater sa batterie. Oui. Ouais, ça il était à 6. Je sais pas comment ça se fait que Taco me pulvérise comme ça en fin de relais. La boxe un peu plus tard. Ah ouais? Ok. Ouais, mais la boxe un tour plus tard. Oui, c'est vrai. Il est peut-être plus confiant en mettre qu'en soft. Mais putain, il... j'ai déjà dit le tour où j'allais box, je change pas de plan. Après, faut refaire une devinette. Ouais, c'est pour chiant nous. Quoi. Ouais, ouais. Ah, mais il a plus de batterie en fait, Taco, il a bombardé pour revenir. Bah, je peux rien voir, il a caché donc. Bah, il clignote. Ouais, ok. Au moins, on a un. Ouais, mais les hard puis la merde. Ouais, clignote, arrêtez de voir combien de merde, les gars, hein, je vous assure, c'est pas ouf. Hein. Attends, mais quand j'ai dit le tour où je pitais, ça veut dire que c'est à la fin de ce tour ou c'est à la fin du tour d'après? Non, tour d'après. Prochain tour. Ok. Le mec a oublié quoi. Non, mais je sais plus. Des fois, j'ai un bug sur ça en mode. Est-ce que quand on dit par exemple je pite tour 44, bah est-ce que c'est. Au début du 45 ou à la fin du 44, tu vois? Enfin, non, c'est la même chose, ça. Il correspond à plus ou moins à la même chose, hein, si tu prends le curling, t'es au début du 45. Non, mais je veux dire, quand je dis je pite tour 44, ça veut dire que je dois box à la fin de mon tour 44, quand c'est affiché en haut à gauche 44. Là, c'est le prochain, en gros. Ok. Et ben, on va me barder, du coup. Moi je boxe. Tu vois quand la guerre se termine? Bah attends, ouais. Après. Jolie manœuvre, bien joué. Tiamet a prévu de rester avec lui tant qu'il peut. Et une fois qu'il a plus le DRS, il boxera sûrement.
que fera Meraki aussi. Ah mais Thomb a mis des médiums hein. Oui. Et Vincent soft. Ah, j'hésite même à prolonger d'un tour en fait. Parce que le dernier train de soft ce sera des usés tu vois. T'avais pas 3 trains. Ah si mais ils étaient un peu usés sur quand je regardais le graph donc c'était peut-être un bug je sais pas. Ouais je pense box maintenant. Ouais. Trop important le undercut hein. Ok. Surtout ouais. Que Tom est pas en bonne stratégie donc je peux facilement l'avoir grâce à ça. Après Tom il a 4 secondes derrière. Ok. On verra après si c'est des soft 9 ou pas de toute façon. Ouais. C'est bon, vas-y. C'était un super. C'est des 9 ouais. Ah bah, parfait. Donc je peux faire moitié-moitié en gros. Ouais, c'est ça. Jeff qui me dit que le grip est en train de partir. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Et c'est combien moitié-moitié à partir d'ici? J'ai du mal à me faire deux trucs en même temps là. Il y a 30 à partir de 41, donc on est à 32, donc 16 tours. Ça fait donc 16, 16, 45. 17. Ouais. 55. Donc 16, ouais. 17, 16, 17 de moins par rapport à 71. 61, moins 6. 55. Ouais, ok. Donc. Et il donne qu'à tenter les armes. Code, ça sera Saints. Ouais, je pense qu'il est pas dur à trouver celui-là. Bon, la pilote numéro 2. Wow, la diff de grip par rapport à ses armes. Ouais, tu me grind en. Ouais, je vais devoir attendre, je vais me faire ralentir. Là. Qu'est-ce que tu tentes? Il a voulu vraiment prendre le DRS là? Je suis obligé d'utiliser de la batterie pour compenser du coup. Ouais, après t'auras le DRS dans les deux zones. Meraki 17%. Ah non, tu vois, en fait, il faut faire un tour avant. C'est des usagers en fait. Donc pas 55, hein, un peu plus. Je pense qu'il faut que je fasse 2-3 tours de plus comme prévu en fait. Ok. En fait, le nouveau pneu il s'écrit quand tu sors des stands, je pense. Merci, Sergio. Oh putain, attends. Je te remercie en ligne droite mec, j'ai pas l'alerte, j'entends pas. Sergio P16. Bah merci Sergio P16. Pour le troisième mois, merci. Merci beaucoup. L'écart avec la voiture derrière nous est de 2,7 secondes. Les gars, vous êtes en train juste de balancer ma strat dans le chat là. Je suis dégoûté là. Spammer n'importe quoi, qu'on voit plus les messages. Spammer. Pendant genre 30 secondes, ça va tout effacer. Oh le chat de Zouave. C'est bon, bien joué. On voit plus la strat, bien joué. C'est bon. Ils vont rien comprendre. Y'a plus d'infos, on est en langage crypté les gars. C'est Enigma. Ça reste toujours en piste Sky pour le moment. Ah mais pour l'instant juste je survis. Ah oui bah tout ce que tu peux gratter comme tour. Ah ouais, clairement. Vu comment Tom. Ah, ça me fait chier là, le rythme est pas ouf. Ouais, bah tu peux peut-être perdre le DRS à ce tour selon comment ça se tient. Allez,
J'ai un bon secteur 2, juste un mauvais secteur 3, du coup je suis un peu loin à chaque fois, mais... C'est étonnant qu'il n'y ait eu aucune safety car. Ouais, moi aussi. Je pense que tout le monde fait très attention, du coup. Du coup, le départ t'a un peu mis mal, le fait... Enfin, je pense que c'est le Delta qui t'a mis mal, de la VSC. Ah oui, j'aurais pu suivre le train, ouais. Après, on va voir, hein, sur une diff de strat, là, à la fin, il y en a qui vont faire médium, il y en a qui vont faire hard, tu vois, donc... Devant toi, ils ont aucun stop. Vous êtes sûr, c'est comme va faire soft. Oui. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où tu peux te cracher si de ouf. Les S, ouf. Les S en fait, quand tu la perds, c'est dans le mur, quoi. Genre, c'est. En fait, les murs sont assez proches, quoi. Miraki Box. Ah, ils se battent devant, parfait. C'est chiant pour le DRS, par contre. Tombe, il roule en 19.5 avec ses médiums. Ok. Putain, j'ai pas le DRS, fait chier. Miraki a mis des meds, il irait au bout. C'est au moins pour les médiums. Ouais, mais je pense que c'est ça. Ah, ils vont être au pire endroit pour que je les double. Ouais, là t'as pas de bol. Ah, je vais devoir être efficace. Hein. Non, je pense que personne va lift. Ça consomme, mais c'est pas une consommation excessive non plus. Je pense que je suis celui qui a le moins, mais c'est pas un souci. Putain, c'est vrai que ça freine tôt, ça surprend. Quelqu'un a révélé la stratégie de Pierre Jean à Tombe. Aïe 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 aïe. Ah bah, plaisir ça. C'est bizarre parce que celui qui a écrit ce message, c'est lui que j'ai vu écrire le numéro de la strat dans le chat de Tombe. Pas la jambe double. Ouais, ça, il y en a trop. Hein. Ouais, je gasse. Bizarre, j'en double. Je vous jure, vous êtes des... Mais lâche ça, frère. Mais lâche ça, mes frères. Oh. On est même pas sur les mêmes pneus. Putain. Là, Dali, je sais pas ce qu'il fout. Il est très virulent, Dali. Ouais. Ah, je peux le DRS. C'est bizarre parce que vraiment il n'y a que en France où il y a des gens qui balancent les strats comme ça. Moi j'ai jamais eu l'info d'une strat de quelqu'un qui était pas français, mais. Mais bon. Oh la vache. Mais j'ai les stratégies de certaines personnes, mais on s'en balec. On cherche pas à savoir. Ça se réglera en piste. C'est quoi le principe d'aller dire aux autres streamers anglais? Déjà, ils s'arrêtent au tour 46, les gars. Aucun, les gars. Oh bah, attitude de suceur, hein, faut le dire. Hein. Disons le terme, hein, attitude de suceur. Putain, mais il a dû bien me ralentir avec l'accrochage. Ouais, t'as dû perdre une seconde 5. Surtout qu'il s'est pénalisé lui aussi. Ouais. Allez, 5-6% que j'avais en plus au début du relais m'ont vraiment pas mis bien. Taco à box. Hein. Pour info. Mais il est à 10 secondes de Dale. Ah oui, il a niqué sa strat par contre. Ouais, il s'est loupé. Il est en bataille avec Aiden. Il s'est crash à un moment? Je pense, j'ai pas vu, mais il est en bataille avec Aiden.
Genre c'est la as derrière toi sur la map. Un box pour une as. Ouais. C'est t'as l'autre. Fait. C'est. Tut. Penjou. Il est 17. Ok, bon, c'est maintenant qu'on attaque du coup. On a enfin fini ces putains de pneus de merde. Bon, Vince va s'arrêter, Tom va s'arrêter. Meraki a 3 tours de plus que toi, en mid. Alors, Gas, le liqueur qui me demande si je vais au bout. Ouais, t'inquiète, je vais au bout, ouais. Tu peux aller dire aux autres si tu veux. Là, on va au bout de la course, même, là. Dit-il alors qu'il veut Piton Soft à la fin. Bah, super. 14%, ok. Putain, là, il n'y a pas de safety car. Hein. Ouais. Plaisir du grip. Plaisir. De toute façon, c'est vraiment pas mon circuit préf. Hein. Je crois que j'ai jamais entendu quelqu'un dire « Ah, j'adore Mexique !» Ah, vraiment. Ça doit s'arrêter. Yarno Pnir est dans le Mexique. Bon bah, on peut officiellement dire que Yarno Pnir est washed. Sabzo pour des meds. Ah donc il va finir avec pas sûr. Ouais. Pas sûr de son choix là. Ça va au bout. Mais oui, ça va au bout, mais... Mais il y a moyen que je le remonte, quoi. Il va remonter avec qui, Tombe ? Tombe est en bataille avec Meraki devant lui. Mais Meraki a des tours plus frais. Tombe a déjà 11 tours. Ce qui est sûr, c'est qu'on joue la P4 à la régulière. Ce qui est sûr, c'est ça. Ouais. À la limite, P4. C'est drôle, Gaz, il vient d'écrire sur le Shadow Creator Series Pirja will box lap 70. On t'a cramé, Gaz. On t'a cramé. Ah, Gaz, il va prendre un petit perma, écoute. Ça, c'est un joueur de chez Crazy X en plus, bizarre. Ah ouais? Ouais, il vient de chez toi, non? Je sais pas s'il vient de chez moi aujourd'hui, mais oui, il passe quelques temps. Pff, oh la vache! Je suis, hein, elle est longue cette course quand même. Résine 3 secondes. Ah. Oh. Oh! Oh, une petite safety à la fin là. Ça roule en 20.9 les leaders. En plus c'est bien maintenant, genre les permas on peut... Après il est sub. J'allais dire ça peut atténuer. Oui, d'accord. J'allais dire les permas maintenant on peut choisir si on veut un perma genre ils ont plus accès au chat ou un perma ils ont plus accès au stream. Au stream. Ça prendra la leak. Ça vous va passer.
Il y a deux casses dans le chat. Ah. Eh mais s'il n'y a pas de safety, je vais devoir lift and coast moi. Mais j'ai bien peur que ça ait du mal. Rising box. Tiamet aussi. En combien l'essence? Plus 0,28. Ah. 25. Pourtant j'ai mis deux tours. On a mis un. The fuck. Mais je pense que t'as la juste du plus de DRS. Plus. Hein. Après, oui, vrai, j'ai économisé pendant la VSC aussi. Ah, pas moi. Dommage, t'as 70 millièmes devant le DRS. Ouais. Raisin est ressorti en medium, Tiamet est ressorti en soft. En soft? Ouais. Pour 21 tours. Si c'est des soft 9, ça passe. Hein. Impossible. Si, si. Oh, mais le rythme est pas bon. Ça m'a l'air d'être des soft 9. Ça sera pas bon à la fin de course. Il espère une safety car là. Peut-être. Hein. Ah oui, il y a deux gaz. Je crois qu'il y a eu un bug chez Razin. Ouais. La box, mais avec ses tours usés de 25 tours. Il y a des médiums usés là ? Ouais. Il a perdu une seconde en deux virages. Alors peut-être qu'on va avoir de la chance. Ouais, il a des pneus de 45%, donc ce sera mort pour lui. Il va devoir rebox à nouveau. Ok, il faut passer au petit car. S'il n'y a pas de safety car, Tiamet et Razin sont out. Comme pareil, il va devoir box. La seule interrogation, c'est soft de Tom. Ah, je me suis loupé, putain. Allez, vierge. J'étais en train de calculer dans ma tête, du coup j'étais pas focus. T'inquiète. Je te le rappellerai. On attrape fortement Miraki, on a un gros rythme. Ouais. 19-1. Prochain tour, je te dirai. Le temps que Tiamet remonte, nous dépasse. Non, c'est sauf, donc crever à Tiamet. En plus, il a pas de VMAX, donc pour défendre en fin de course. Vince au stand pour des softs. Raisin rebox pour des meds. C'est hammer time hein, pour moi. Ok. Alors, 19,5 pour Taco. Ce serait bien que je garde Vince derrière moi jusqu'à mon pit. Notre avance sur la voiture de derrière est de 5,2 secondes. Ce serait bien qu'il s'en mette maintenant. Ça va sûrement être un problème. Ouais. Pour ça que petite safety. Tombe, il a le choc. Il a voulu laisser passer Tiamet, sauf qu'il a plus d'une seconde. Oh, j'arrive pas à reculer deux secondes à un tour là. Tiamet, il est trop fort en soft. Pourquoi je reviens sur Tombe ? Et il a tourné en 1:21.8. Il galère avec ses pneus. Il a voulu laisser passer Tiamet, il a freiné. Je tourne en 1:20.9. Ouais, tu lui as pris presque une seconde. Salut Redfire.
Ah ouais, on va essayer. Enfin, on serait pas contre quand même une safety. Hein. Mais Tom veut box dans deux tours. Le pire, safety car, on est tellement dans la merde. Bah pour l'essence quoi. Oui, bah, déjà pour l'essence, mais. On est les seuls à avoir mis pas assez d'essence. Pas possible. Bah de ce que je vois, Meraki il était parti avec plus 4 tours. Ah ouais. Il reste, il reste 0,46 à tiamètre d'essence. Ton mi-box. On perd beaucoup, c'est secteur 3. Oh ouais, il était à 2 secondes de se prendre 5 secondes au pet. Ok, tombe à mid et soft. Oh, j'ai dat guy qui est déjà là, putain. Ah, il va te passer, je pense. Pas de marbase. Ah, je pack la deuxième là-dessus. Ouais, ils sont où? Ah, bizarrement, c'est que t'en as eu un à la fin. Ah ouais, il m'a direct mis une pilule. Ouais, les nouveaux, ils l'ont dit. Il a deux tours. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Et tu vas voir ton mini te revient dessus aussi. Ok, l'essence, c'est que tu utilises beaucoup dans le dernier virage. Uniquement le dernier virage. C'est là où je tabasse tout, moi. Pourquoi la batterie de Chamet 12. Qui ça rassemble? Non, tiens, mais pour Sky. Attends, clignote déjà. Ah, il a tout le temps clignoté. Hein. Il a jamais été au-dessus de 25. Normalement, Pirja. Bah c'est des usés donc je vise les 13 tours. Hein. Ah oui c'est vrai. Et là je suis à 33% à l'arrière. Tom va box tour 56. Ok. Le leader. Ouais. Mais si là j'ai des pneus usés, attends c'est lesquels? C'est pas possible, c'est ceux de la Q3. Je pense pas, je sais pas où ceux de la Q1. Oh non. Oh le blue flag horrible. Oh, il était bien relou. Hein. Mais j'avoue que je sais pas, t'avais 3. Ouais, du coup je sais pas, ça va être quoi comme soft. Je sais pas non plus. Parce que si c'est les usés, mais j'en avais. Attends. J'en ai bien un pour la course normalement. Parce que si j'en ai un pour la course, c'est que j'ai utilisé que celui de la Q3 et celui de la Q1. Il m'en reste deux plus la course, donc c'est pas normal. Donc est-ce que ça va me filer les softs de la Q1 ou les softs de la Q3 qui sont bien différents? Parce que si j'avais su que c'était comme ça. T'es contre Azin, Skyzy? Ouais. Ok, bah je le ralentis alors. Après, Razin, il est out, hein, je rappelle. Il a eu son problème de pneu. Ah ouais? Ouais. Il a box deux fois d'affilée. Hop, ça. Donc là, il va au bout, Razin. Ok. Pour info. Ouais, Tom s'est arrêté. Pour des soft 9. Là, les deux vont me doubler avec le DRS, ça va être drôle. Il a des softs neufs.
Ça veut dire quitter. Allez, tu peux récupérer ta position. Le cinquième. Ouais, Savzo, il a problème Steam. Non mais les gars, c'est pas grave si les gens disent ma strat chez les autres. Maintenant la strat est finito, hein. C'est juste, bah, au bout de la course. Et si c'est pour le RS, bon bah... c'est parti du jeu. Ils ont fait aussi. Il a 14 secondes... ouais, il a 12 secondes 5 derrière. Qui ? Tom, on saute. Ah oui, t'inquiète pas, je vois. Tombé à un warning d'avoir 6 secondes. Combien ? Un warning de 6 secondes pour tombe. Ah, pour tombe, ok. Mais non, Rosé, t'inquiète pas. Bon, c'est pas des fleurs par ce qu'il y avait, par contre, on a plus de batterie, hein. Je voulais vraiment le DAS pour économiser l'essence et le RS. Taco, il est revenu à une vitesse. J'ai lissé une poste un peu. Non, mais il était à 12 secondes de toi quand il a boxe. Non, personne boxe là maintenant, les gars. Le Miracle est bien usé. Si, si, moi je boxe. Ah, pardon. Compliqué de lift, hein. Bah ici, il faut être tout le temps flat. Bah il me faudrait un petit DRS et comme ça, tu relâches, ouais, un peu. Je suis pas loin du DRS aussi, mais... Ah, c'est que je fais de la merde, là. Ok, hammer time. Meraki. Alors, ah putain, c'est des softs à 11% là. Pour 10 tours. C'est ok. Ouais, 10 tours, enfin, 12 ça tours. Le fait. T'as bien fait de plus 3. Bon, dans tous les cas, là, ça va au bout. Ouais, mais c'est dommage quoi, je ne comprends pas ce jeu sur les économies de pneus. Non mais au pire les gars, si je vois que j'ai plus rien à jouer, je livre dernier tour et... Top 15 hein, qui marque des points, oublie pas hein. Non mais je veux dire plus rien à jouer en mode les écarts devant et derrière quoi. Ah oui. Là faut remonter. Combien ? Là je suis P13, mais je viens de box. Ouais, je suis pas remonté. Bah faut voir comment fonctionnent les softs à 13%. Et pour moi c'est un bug. Parce que sur le stream il y a marqué que t'as des softs de 0 tour. Ah bah un plaisir ça. Donc tu t'es encore retapé le bug. Ah bah c'est cool. J'adore ce jeu moi. Ah il est cool. Ouais, ils sont neufs sur le stream. Il y a des RS devant, tu la mets. Vraiment que j'arrive à choper leur DRS un petit 4 pour économiser de l'essence. Pas loin, je suis à 7 dixième.
Et Chamel, c'est peut-être mourir, il s'est arrêté tour 50. Il n'y a pas eu. Moi, quand je fais la course propre à quota, il y a 15 000 safety cars, mais là, quand on se dit qu'il y a moyen, il n'y en a aucune. C'est un truc de fou, frère. Oui, surtout que tu en avais besoin. C'est pas fini, c'est pas fini. Mais il reste 7 tours possibles pour une safety. Et pour info, Sky et Tiamat, il écho son fuel derrière. Ah, parce que Tiamat, déjà de base, il part en négatif. Là, il doit morfler. Hein, s'il est parti bas. Oh, j'ai pas le DRS. Ça. J'étais à une seconde tout pile. 1000 millième. Tiamat, il lift là. Il a lâché complètement l'axel. Là, combien en essence? 0,36. Pourquoi il lift ? Il était à 0,25 avant son lift dans la ligne droite là. Il a gagné 0,10 en faisant ça. Ah, c'est qu'on laisse la porte ouverte à Tom quoi. Moi je lifte pas dans le doute où il y a une safety. Oh putain! Ouais, j'ai vu River Russell, mais je suis pas sûr qu'il soit français. Après, il a pas tellement donné la strat, il a juste dit he's in the pit. Genre, il est dans les stands quoi. Oui, c'est pas pareil. Non, non, non. Le débat, il lance, hein, il a pas de mal. Hein. Oui, oui. Essaye des fios, voilà, des coups comme ça. Ouais. Je pense que ça joue le jeu de Tom derrière vous, ça. Oh, c'est en danger, hein. Putain, je suis si loin. Bah, je pense que la 3 stops sans safety car est un peu moins rapide que la 2 stops. Ça dépend, je pense que si j'avais eu des pneus neufs, en vrai, je gagnais déjà 1 à 2 secondes plus rapide sur les premiers tours. Oui, et sans être bloqué par les drapeaux bleus et le bug du Delta, du SC, le VSC. Devant toi, il a 17 tours sur ses softs. Et Michi en a 12. Ah ouais ? Oh putain. Ouais. Donc ils sont en PLS et tu vas sûrement les avoir. Et puis devant, c'est Taco. Oh non, Beaver, pas encore. Tu me regênes pas. Hein. Pitié. S'il te plaît. Sois sympa. Allez. T'es mon bro. Merci pour le DRS. Ah sympa. Allez, elle va arriver au bout d'un moment. Tiens, Matt, il attaque. Ah, c'est safe pour attaquer aussi. Bah, il a assez écho donc
Là, il push. Miraki 12%, Tom 19. Mais il bombarde là quand même, c'est pas possible. Ah oui, il clignote, oui, tu bombardais. Tom n'utilise pas de batterie. Ça, ça dit quoi devant? 8%. Essaye de me faire tirer par les flaconnages de Tom. Oui. Après, lui, il a pas de soucis de chul. Allez. Oh, j'ai pas viré ce chien. Non. Pas le game. Impeccable, très belle manœuvre. C'est un warning. Ah, je vais même pas revenir sur Elta Court. Ah, vraiment, j'ai fait un choix. Les pneus usagés à la fin. Ah mais c'est un bug, c'est dommage. Ouais bah je me fais baiser par un bug, écoute. Parce qu'en regardant le replay, t'avais bien un autre en nouveau de base. C'est dommage d'avoir ce genre de bug sur un jeu où la l'usure de gomme joue tellement. Bah Raisin il s'est fait avoir, il est sorti avec ses pneus de 45%. Pas de safety, ok, ça marche. Non, il n'y en aura pas eu sur cette course. Et là je rattrape plus, je finis P12 sur ce bug, ce choix. Yes. Tu peux me dire la batterie de Meraki? 17. Ok. Tiamet 14. Tom 26. Bon bah je vais écouter, c'est une expérience à prendre. Je vais maintenant juste arrêter de compter sur les softs. On cherchera des strats, on prendra des strats avec le plus de médium possible, mais les softs iront se faire foutre. Un incident a laissé des débris
sur la piste. Oh. Les commissaires ont réussi. Safety car. J'ai mis les softs usagés, hein. Ce sera mieux que les médiums, quoi qu'il arrive. Oui, oui. Comment ça, il y a un safety car qui s'est planté? C'est. Comment Devin Butler. C'est des softs à 32%, sa mère la grosse pute, sa mère la grosse pute. Sa mère la grosse pute, jeu de merde. 32% les softs, 32. Mais, il a abandonné au stand. Ouais, mais des fois, il y a ce bug là. Alors, pour info, elle repartira quoi qu'il arrive à la fin du tour 69. Mais il a abandonné au stand. Je vais vraiment devoir mettre les médiums usagés là. A mon avis, t'as pas le temps de boxe, Pierre-Jean. C'est bah, j'ai pas le choix dans tous les cas, donc je ferai pas les tours de safety car à 32%. Mais dans tous les cas, elle va partir tour 69. Et bah. Bah, t'as un demi-tour à rattraper quoi. Là, elle boxe à ce tour là. Ils sont déjà. Là, la safety car, elle finit ce tour et rentre. Il y aura pas de DRS. Pas de DRS. Bah, je vais le tenter quand même, hein, j'ai pas trop le choix. Ça y a plus de delta. Comment il y a une safety car alors qu'il reste 3 tours? C'est des mètres de 25 tours. Non. Là, c'est les médiums que j'ai utilisés en Q1. Là, je refuse. Hein. C'est pas les mètres de 25 tours. Sinon, c'est un giga bug de merde et je me retrouverai. Ça voudrait dire que je me retrouve avec des hards. T'auras pas le temps de rattraper la SC, hein. Mais je m'en fiche. Nique sa mère, de toute façon ça a rien changé à ma position. Et du coup, 3%. Putain, j'aurais dû mettre les médiums. Oui, baisse ta mère, jeu de merde. Laisse-moi accélérer, je suis pas en relance moi, putain! Putain! Pneu de merde! Mais putain, je suis pas en relance, arrête de venir, jeu de merde! Putain! Ça relance. Je vais jouer le meilleur tour. Hein. Oh, oh derrière, gros carnage. Il a fallu que ça arrive à la fin quoi. Hop. Allez, je vais tenter le meilleur tour. Ben est assassin, Ben est un putain d'assassin. Putain. Mais Ben, il va tenter le 3 de front au T2. Là, j'ai vu ça. Et c'est Ben qui a tué Tom aussi. Non, mais c'est un truc de ouf. Tu vas gagner une place, Pierre-Jean, Tom, il laisse passer tout le monde. Putain de Ben! En plus, il va gagner, hein! Drapeau jaune.
putain, j'ai pas eu le meilleur tour. Ouais, petit cœur pour un tour en plus, ça fait trop chier. Oh ma DNF, j'en ai rien à battre. Attends, mais il y a des réservistes. GB a pris 3 secondes. On va finir 5ème au final. Bon, c'est Meraki qui va peut-être gagner. Tant mieux. Alors, heureusement qu'il l'a laissé passer parce qu'il a cut le dernier virage pour le doubler. C'est n'importe quoi. Notre retard avec la voiture qui nous précède est de 16,6 secondes. Je fais plus confiance à ce jeu de merde sur les pneus. Plus confiance, c'est bon. On va rouler que en médium sur toutes les prochaines courses. Ce jeu de merde, putain. Je chiasse là, c'est bon frère. T'as fini combien ce quasi? J'ai mérité évidemment 5. Ah putain. Il s'est fait mettre dehors par Ben qui a foutu aussi Tom dehors, il a foutu d'autres gens dehors. Qui m'a fait un freinage catastrophique aussi, après je vais pas parler de freinage, j'en ai fait un GB. Non mais putain. Ouais c'est bon. Oh putain j'ai le seum. Bah voilà les gars. Encore une course désastreuse. J'ai l'impression d'être Charles Leclerc. Je lance un Grand Prix. Et à la fin, finalement, c'est moi qui souffre. Sa mère hein. Écoute. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Ah là 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 là, putain, vas-y, je vais vous envoyer, je vais raid la Creator Series, les gars. Merci d'être passé en tout cas. Bah, on se dit les semaines prochaines, hein. Peut-être qu'à un moment, on aura une course avec, du rebondissement, de l'espoir, on sait pas trop. En attendant, allez voir la Creator Series, voilà. Mexique, circuit de merde, ça bouge pas, donc on va faire au mieux. Bisous tout le monde, merci beaucoup d'être passé, on se dit à demain. Putain, demain soir il y a le GP. Oh demain je suis pas sûr de live parce qu'en fait l'après-midi il y a la nif de ma soeur et le soir il y a le Grand Prix. Donc compliqué. Donc on se dit peut-être à lundi dans Break Check. Voilà. Bisous tout le monde. Ciao ciao, merci beaucoup.